Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui l'Elo Nishmat, Claude Shlomo Ben Shalom, David Ben Sorton, Mazal Fritna et Lucienne Batrina, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternel, nous étions Maserhet Sota, Perek, Aleph, Mishnah Bet, Keitzad, Mekanela, Amarla, Bifneshnaim, Art, Daberi, Im Ishploni, Vedibraimo, Adaini Muteret le Beta, ou Muteret le Chol Batruma. Nichnesna imor le bet aseter ve shahata imo kedetuma asura le beta ve asura le chol bitruma ve imet chol etzet ve lomtia bemet. On continue à découvrir les données de base, les axiomes de base, les halachot basiques de la sota qui consiste à la sota, c'est quoi? C'est une femme qui a eu probablement un écart. Elle a eu en soi-même un écart parce qu'elle s'est d'abord mal conduite puisqu'elle s'est isolée avec un homme. Peu importe. S'ils ont fait ou s'ils n'ont pas fait, elle n'avait déjà pas à le faire, premièrement. Donc elle devient une sota. C'est quoi une sota? Plus précisément dans la Torah, une sota, ça peut être soit une femme qui a eu un adultère, elle devient interdite à son mari d'aucune manière, même s'il n'y a pas de témoin, elle lui est interdite. Malheureusement, je connaissais quelqu'un qui est un rave, qui faisait des séminaires de tchouva et tout ça, et qui m'avait dit une fois que les gens qui ont le plus de mal à faire tchouva, en l'occurrence, c'est ceux qui ont des fois eu des écarts de ce type, qu'il y a 30 ans, 20 ans, 18 ans, madame a eu un petit écart, il lui a pardonné, ils vivent ensemble. Aujourd'hui, ils réalisent que si deux fois ils font tchouba, ben, ils doivent divorcer, ils n'ont plus le choix. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout, parce que si sa femme, elle a eu un écart, elle lui est interdite. Ça, c'est la femme qui a l'écart. Maintenant, nouveau sujet, c'est la femme que le mari a avertie, et que la femme s'est quand même avertie de ne pas s'isoler avec une personne précise, et la femme s'est quand même isolée avec cette personne. Si elle s'est isolée quelques secondes, minutes, pas le temps de faire quelque chose de très 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 vrai, mais le temps, un strict minimum, qui implique le temps de casser un œuf, le faire cuire dans une poêle qui était déjà chaude, et de manger l'œuf. Traduisez ça, ça va faire quoi? Une minute? Eh bien, si elle s'est isolée une minute avec cette personne, actuellement qu'on l'avertit, dès lors, la femme devient interdite à son mari. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait partir au Beth Amikdash pour boire les eaux de la sota, pour qu'elle lui redevienne permise, et on ne pouvait pas la croire. Elle devait nécessairement partir au Beth Amikdash pour faire pour le procédure rituelle de la sota, et sinon elle lui était interdite. Alors, quand la femme elle devient interdite à son mari, ça implique qu'elle est interdite au mari, elle est interdite ensuite à la personne avec qui elle s'est isolée, qu'elle a été avertie, et il y a même aussi un troisième interdit, c'est l'interdit de consommer de la trouma. Soit, si jamais son mari était Cohen, et qu'elle était elle-même aussi fille de Cohen, qu'en théorie, vous savez qu'une femme, même Israël, qui est mariée avec un Kohen, elle devient Kohenette, elle a le droit de manger de la Trouma. À part ça, une fille de Kohen, lorsqu'elle est mariée avec un Israël, elle n'a plus le droit de manger de la Trouma. Le jour où elle divorce, elle devient veuve et qu'elle n'a pas d'enfant, elle revient dans la maison de son père, elle a le droit de manger de la Trouma. Si jamais cette femme est devenue une Zona, qu'elle a eu un écart, elle devient interdite à manger de la Trouma. Et pire que ça, si la femme s'est isolée et qu'elle n'a pas bu, pour X ou Y raison, eh ben elle ne pourra plus jamais remanger de la trouma, ni de chez son mari, ni de chez son père. Ça, c'est du fait que la Torah, elle écrit dans la Torah. Il y a une certaine redondance dans la paracha de la sota. Venitmea, venitmea, venitmea. Il y a marqué trois fois venitmea. Chad la baal, et chad la boel, et chad le trouma. D'accord? Ça, on va en parler maintenant dans la fin de la Mishnah, et un petit peu dans la prochaine Mishnah aussi. Pour le moment, on va d'abord découvrir Keitzad Mekanela. Comment un homme doit-il avertir sa femme? Et c'est même précisé qu'il est obligé de le faire, même. Si toutefois il voit que sa femme se conduit mal, il doit. Ouais, c'est précisé ici, dans le premier Bartendra, si je ne me trompe pas. Chayav Adam Lekanot Leishto. Dans le premier Bartendra, dans le Sechet, c'est écrit déjà qu'il a l'obligation, c'est pas s'il veut, il avertit sa femme. Il est obligé de le faire, mais à condition qu'il ait quand même les deux témoins. Sinon, s'il n'y a pas de... Sinon, comme on a expliqué dans le cours précédent, il faut faire attention à ne pas avertir sa femme de ne pas s'isoler, parce que sinon, si elle s'isole même une minute, et même si dans la loi de Yichud, elle ne transgresse pas l'interdit de Yichud, parce que le mari, il est présent dans la ville, mais pour l'interdit de la sota, lui devient interdite. Ok? Maintenant, Ketsad Mekanela, comment faut-il prononcer cet avertissement à la femme de ne pas s'isoler, qu'elle se conduit mal? Alors, Amar la bifneshnaim. S'il lui a dit devant deux témoins, il devra lui dire devant deux témoins. S'il lui a dit devant deux témoins plutôt, Alte d'abri et Mishploni, je t'interdis de parler avec Réhouven.
je sens qu'il y a trop de familiarité entre vous, je t'interdis de lui parler. Mais d'Ibrahimo, finalement, d'un coup, il revient, il voit qu'elle est en bas, elle est en train de taper la causette avec Réhouven de nouveau. L'on esra la Adain imoteret le beita, ou moteret le echol bitouma. Cette femme-là est pour le moment permise à son mari, et elle aura même le droit de manger la trouma, elle n'est pas devenue interdite, elle n'est pas devenue une sota. Attention, il va manquer des mots dans la Mishnah. Pour le moment, je traduis la Mishnah telle qu'elle, mais qu'il ne faudra pas interpréter de la sorte. D'abord, je traduis. Par contre, Nirnesa imo la seter, si elle est partie s'isoler, Veshahata imo kedetuma, et elle a patienté avec lui pendant qu'ils étaient dans un endroit isolé. Le temps de faire une touma, le strict minimum possible. Ouais, le temps de se mettre en position et de faire, ça a le temps de faire cuire un œuf et de manger, comme je vous avais expliqué. Il y a plusieurs règlements à la rallonge, elle emporte à peu près 14-15 exemples pour le temps minimal d'avoir un rapport. Et le temps de faire cuire un œuf et tout ça, ça m'a l'air trop long, 40 secondes, 60 secondes. En tout cas, Nirnesa imo le bet à 7 RL. Si elle maintenant elle s'est isolée avec lui, et que Shahata imoke de Touma, et qu'elle a patienté le temps d'entretenir un rapport, Asura le bêta, elle devient interdite à son mari, et Asura le chol betouma. Et elle n'aura plus le droit de manger de la Touma, comme ce qu'on avait expliqué, parce que dès qu'elle prend le nom de la Sota, elle devient interdite à son mari, et interdite de manger de la Touma. Ok, il y a maintenant un, et je finis la phrase comme ça, après on corrige la phrase, on corrige la Mishnah ensuite, et la Mishnah continue, et plus que ça, si maintenant le mari, quand il a vu ça, il a dit, mais qu'est-ce que tu m'avais, il a fini ça avec, il est mort, il n'avait pas d'enfant, cette femme en théorie doit faire le hiboum, et ben elle ne fera pas le hiboum, choletzet, veimet choletzet volomitie bemet, elle fera la chalitza, elle ne fera pas le hiboum, pourquoi? Parce que maintenant, dès qu'elle est devenue impure, elle est devenue interdite à son mari, dès qu'elle est même, sa fek impure, même dans le doute, c'est la grande cri de je la saute en réalité, c'est que normalement, dans un safek, lorsqu'on a un doute dans la Torah, très fréquemment, on dit, hey, safek, chazaka, on met sur la chazaka que la chose elle est permise, jusqu'à que tu me prouves qu'elle a changé de statut, qu'elle est devenue interdite. Pour la fin de la sota, c'est pas la même chose, même dans le doute, on l'a interdite, elle interdite Betorat Vadaï en plus, qu'elle devient interdite formellement à son mari. C'est même pas un doute, il n'a plus le droit de rester avec elle du tout. D'accord? Et donc, s'il meurt maintenant, cette femme-là, elle ne fera pas le hiboum, elle fera juste la chalitza. Maintenant, j'apporte la précision importante de la Mishnah, parce que en l'état, je vous ai dit une erreur. Parce que tel que c'est écrit dans la Mishnah, je vous ai dit, si toutefois il a averti, tu ne parles pas, et qu'elle a parlé, elle n'est pas interdite. Par contre, si elle s'est isolée, elle est interdite. Donc, on pourrait déduire de là, justement et injustement, déduire que dans ce cas-là, si jamais j'ai averti, je lui dis, tu ne parles pas avec Réhouven, et qu'elle est partie s'isoler avec Réhouven, qu'elle devrait être interdite à Réhouven, à son mari. Mais c'est faux. Pour interdire sa femme, le mari doit nécessairement lui dire « Tu ne t'isoles pas avec Réhouven. Je t'interdis de t'isoler avec Réhouven. Mais c'est lui, je t'interdis de lui parler. Je t'interdis d'aller te promener dans la rue avec lui. Je t'interdis d'aller à la plage avec lui. Je t'interdis. » Pour le moment, je ne lui ai pas dit de ne pas s'isoler. Si je n'ai pas dit ça, je n'ai pas créé, pour le moment, je ne suis pas encore entré dans le processus de la sota, le rituel, qui implique d'abord avertir, isoler, puis ensuite l'amener au Beit HaMikdash. Parce qu'il faut nécessairement lui interdire de s'isoler et pas de parler. D'accord? C'est pour ça qu'il faut rajouter dans la Mishnah et me dire, si il l'a averti de ne pas parler, et qu'elle s'est parlé ou qu'elle s'est isolée, elle n'est pas interdite. Par contre, si elle a averti de ne pas s'isoler, si elle a parlé, elle n'est pas encore interdite. Vous imaginez? Le mari l'a interdit à sa femme. Je t'interdis de t'isoler avec Réhouven. On a vu qu'ils sont partis ensemble dans les îles aux Caraïbes. Et on les a vus se promener là-bas, tous les deux, main dans la main, les yeux dans les yeux. Et ils ont, pour le moment, on n'a pas vu qu'ils sont entrés dans une chambre d'hôtel. Peut-être qu'ils avaient chacun leur chambre. La femme n'est pas interdite pour le moment. S'ils ont eu un seul moment, aucun moment où ils se sont retrouvés tout seuls officiellement, elle ne lui est pas interdite. D'accord? Parce qu'il faut nécessairement interdire de s'isoler, et ensuite qu'elle s'isole ensuite. Pour ensuite commencer maintenant le procédé qu'elle est interdite jusqu'à ce qu'il va la faire boire les eaux de la sota. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.